toi. Et il fait tellement beau. Oh, c'est choquant. Coucou, comment ça va? On a un nouveau jour aujourd'hui. Et attends, je te mets là. Yeah. Aujourd'hui, on a un nouveau jour, mais je sais pas quel jour on est. Attends, faut que je réfléchisse. Jeudi. On est jeudi. Il fait magnifiquement beau. On est le matin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler, pardi. Je pense à toi. J'y pense encore. On refaisait le monde à deux. Avec quelque chose dans les yeux. De chez vous à l'Iria. À la Bahri, l'Aoutar, Ira, Fesnira, Fesnira. Tout les sonifal. Ma journée à travailler. En fait, j'ai pas vraiment travaillé. Pour te dire la vérité, attends. Je vais chercher mon éplucheur. Je te garde avec moi parce que je sais que j'aurai la flemme de le couper au montage. Attends. Voilà. On va prendre ça et un couteau. Alors. Ah ben, je vais m'asseoir. Très bien, très bien. On va mettre un peu de musique. Pas ça, j'ai la flemme. Est-ce que là tu me vois? Non. Peut-être que c'est à cause de ça. Et là on se voit? Non. Oh. Ouais, et bien en fait. Mais non, je veux de la vraie musique. Ouais, en fait j'ai passé ma journée sur mon groupe Facebook à régler tous les problèmes. Parce que tu sais, j'ai un groupe Facebook dans lequel on est 13 000 personnes. Crois-moi, 13 000 ça fait beaucoup. Et en fait, il y a des moments où tout va bien. Et il y a des moments où je sais pas pourquoi. C'est le bordel et tout le monde se dispute. Et les gens qui se disputent, ils mettent des posts pour dire qu'ils se disputent. Et il y en a qui mettent des posts pour dire qu'ils veulent quitter le groupe parce qu'il y a trop de disputes. Et d'autres qui mettent des posts pour dire mais non, mais il faut arrêter de vous disputer parce qu'on doit tous s'aimer. Et là, c'était un petit peu chaud quand même. Donc j'ai passé toute ma journée à m'occuper de ça, à régler tous les conflits du groupe, à faire en sorte que tous les gens qui sont dedans s'aiment, ça fonctionne, ça va. Et là il est minuit et j'ai envie d'un truc sucré et après je vais bosser, après il faut que je travaille, il faut que j'avance. Et du coup je vais faire des muffins à la pomme. Mais mon problème c'est que tu sais, j'ai plus de moule en silicone. Tu sais que j'utilise pas de moule en silicone. Enfin, je t'ai déjà expliqué pourquoi sur mon blog, mais je pense pas que je te l'expliquais en vidéo, donc c'est l'occasion. En fait, j'utilise plus de silicone parce que c'est hyper toxique. Et qu'il semblerait qu'à une certaine température, les moules en silicone qui sont pas en super qualité de la mort, et encore j'ai du mal à y croire, il semblerait qu'il y ait un transfert au niveau des trucs toxiques qui sont dans les moules en silicone et que ça aille dans la nourriture. Et en fait j'avais découvert ça il y a peut-être 3 ans je crois, et ou 4 ans même. Et en fait j'ai viré tout ce qui était en silicone dans la maison. Et le problème que j'ai rencontré c'est pour les muffins, parce que je ne sais pas comment faire mes muffins sans mes moules en silicone. À un moment donné j'avais opté pour des moules en papier, qui était une idée pas trop dégueu mais qui produisait des déchets. Donc je vais essayer de faire différemment aujourd'hui, on va tenter ensemble l'expérience. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et on va voir si ça marche. Je suis pas convaincue parce qu'en fait j'ai prévu de les faire là-dedans, regarde. J'ai prévu de les faire là, mais j'ai du mal à croire qu'ils vont sortir du truc. Faut bien que je beurre le machin. Je sais pas, de toute façon faut que je trouve des solutions naturelles et qui produisent pas de déchets, donc c'est l'occasion d'essayer. Et je me rends compte que du coup ça fait depuis que j'ai plus de moules en silicone que j'ai plus fait des muffins à la pomme. C'est un truc de fou. Alors que genre c'était mon alimentation de base avant quoi. Donc, nous allons faire du muffin, toi et moi. Aïe, 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 aïe.
Mais en version avec les déchets. Bon, on va changer. On en revient toujours au classique. Toujours au classique. C'est bon, on a la terre. Il faut que tu l'écoutes, c'est magnifique. S'appeler décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents. Entre la sainte et les grands-messes. Ils étaient vieux avant d'être. Je connais par cœur. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs. Ah bah oui. Ah bah oui. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Ah, c'est comment? Oublier ces œuvres qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort. De n'avoir pas de. Alors, étape 1 pour les muffins, 50 grammes de sucre. On a vu souvent. C'était 150 grammes, pardon. Et le noir ne s'épouse-t-il pas?
là-bas. Elle est trop mignonne, ça. Elle est trop mignonne. Mais voilà seulement, parfois, du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres. Ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Deux œufs. Que l'on vit à Paris. On vit tous en province quand on vit trop longtemps. Sanglots oubliés. Une moi j'achète plus de levure, c'est ce qui me reste, mais j'ai tendance à remplacer par du bicarbonate de soude. Qui dit oui, qui dit non, qui dit et puis qui les attend. On n'oublie rien, de rien on oublie, rien du tout on oublie, rien de rien on s'habitue. C'est tout, et c'est vraiment juste ça. On n'oublie rien, de rien on oublie. Surtout pas les 200 grammes de farine. On n'oublie rien de rien, on s'habitue. C'est tout, mais il manque un truc dedans. Ah oui, il manque du beurre. De rien on oublie, rien de tout. J'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps, mais au suivant, au suivant. Je jure sur la tête de ma première férole que cette voix depuis je l'entends tout le temps, au suivant. Chrysanthème, en chrysanthème, chrysanthème. C'est bizarre parce que dans ma recette, il n'y a rien qui soit assez liquide pour rendre la pâte molle. J'arrive! J'arrive! Mais c'est trop bizarre, ça me fait une pâte toute dure. Jusqu'à l'été. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'oublie encore? J'oublie toujours des trucs. J'arrive! J'arrive! Voir si le port est encore port. Attends, je vais quand même vérifier la recette sur internet parce que j'ai des doutes sur ma recette. Eh ben voilà, il rajoute 10 centilitres de lait. Eh ben moi j'en ai pas mis. Eh ben voilà, tout s'explique. Pour la banane, il n'y avait pas de lait, mais là il y a du lait, mec. On va mettre du lait de coco. T'inquiète, pâte à gâteau, t'inquiète. On va t'humidifier. Voilà. Bon, j'ai fait au hasard hein, les 10 centilitres. Allez, voilà. Bon, à toutes. Je te montrerai le résultat. Alors ça, c'est le avant. Genre, toi, tu fais pas ça? Tout propre. Il rentre et il marronne parce qu'il veut une salade de fruits. Monsieur les muffins, il s'en fout. Il veut une salade de fruits. Donc, comme je suis une femme exceptionnelle, je vais lui faire sa salade de fruits. Je suis une femme exceptionnelle. C'est quoi tes revendications en fait? Quoi? Ah, il y avait, je croyais qu'il n'y avait pas de pomme, il n'y avait rien. Non, mais sérieux, c'est bon, du monde. Toi, je vais t'en plaquer un jour. Toi, tu fais ton Mac. Toi, je te jure, sur ma vie, tu fais trop ton Mac. C'est fou, hein, comme ça. Sur ma vie, tu fais trop ton Mac. Je vais te la faire bouffer, ta pomme, par le. On en reviendra toujours aux mêmes choses. Moi, t'en fais, mais c'est. Moi, j'en fais, mais. Bah, franchement, trouve une femme qui te fait des. Non, non. À cette heure-là. Toutes les femmes font manger leur mari. Mais pas à cette heure-là, Farid!